Bonjour tout le monde, alors maintenant la deuxième vidéo de Dollar Eclipse Nearpod. Donc dans cette vidéo, nous allons discuter de l'usage moyen là, qu'on peut faire de Nearpod. Alors c'est parti pour l'utilisation de base. Donc évidemment, vous devez avoir déjà créé votre compte Nearpod et je vais dans mon cas utiliser le Nearpod version gratuite, ce qui vous permettra de voir les options de base. Quelques options existent si vous avez de plus, si vous avez la version Pro. Ce n'est pas mon cas ici, donc vous pouvez tous tester ce que je fais avec la version gratuite. Donc tout d'abord, l'interface de base, on va retrouver dans le côté gauche My Lesson. C'est l'endroit où se trouve en fait votre librairie, où est-ce que vous retrouverez tout votre contenu. Alors que vous avez ici le Nearpod Library qui est un petit peu différent. Vous pourriez faire une recherche sur un sujet donné. Je ne sais pas si... Je mets le mot carte et voilà, j'y trouve d'autres présentations de personnes de la communauté de Nearpod. C'est très anglophone, évidemment, donc moins intéressant. Donc pour retourner, je vais cliquer sur Nearpod en haut. Je suis de retour par défaut dans ma leçon. J'ai une leçon Explore qui est l'espèce de démo. Et j'ai Create Lesson. Dans mon cas, moi, je vais vouloir créer une leçon. Et lorsque je clique là-dessus, j'ouvre l'éditeur. Bien, la première option, c'est d'ajouter des diapositives. Donc, je peux cliquer sur ça. Et là, j'ai l'ensemble des diapositives qui se découpent en deux grandes catégories, les contenus et les activities. Dans les contenus, c'est du contenu à présenter. Et là, vous voyez que c'est quand même intéressant. Vous en avez plusieurs. Celle auquel vous êtes le plus habitué est Slideshow, qui est des présentations de contenu. Slides. Slide qui est des diaporamas, des diapositives. Slideshow, c'est un ensemble de diapositives. Mais vous avez également peut-être des vidéos que vous pourriez mettre, du contenu web comme un site web. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec Nearpod, c'est que vous avez une variété impressionnante de contenus que vous pouvez ajouter et qui sont natives dans l'outil de présentation. Donc, au lieu, par exemple, avec un PowerPoint, d'aller présenter un site web et de devoir minimiser votre PowerPoint pour pouvoir ensuite ouvrir votre site web, bien, vous pourriez tout simplement, dans Nearpod, faire une diapositive de contenu web. Au niveau des activités maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va retrouver un ensemble d'activités très communes en éducation. Par exemple, les quiz, qui sont de petits jeux questionnaires où l'étudiant aura à choisir des réponses parmi une liste. On pourrait avoir des filling the blanks, où est-ce qu'on va avoir des phrases trouées. On peut avoir des sondages. Un que j'affectionne particulièrement, étant un socio-constructiviste convaincu, c'est le Collaborate Board, qui est un peu un babillard sur lequel les étudiants peuvent écrire des réponses. Donc, ça permet de faire des brainstorms. Donc, je vous invite à les explorer. Ce sont des belles activités. Donc, ça, c'est à la base tout ce qu'on peut faire en ajoutant des contenus. Par contre, ce qui est super intéressant avec Nearpod, c'est que je peux prendre, par exemple, un diaporama que j'ai produit avec PowerPoint et le glisser, déposer ici, tout simplement. Et il va le charger. Cette option est payante de prendre des diaporamas là, au PowerPoint puis de les convertir dans la plupart des autres solutions comme par exemple Mentimeter où est-ce qu'on doit avoir la version payante pour faire ce que je viens de faire là. Donc ça, c'est vraiment une plus-value intéressante. Quand j'appuie sur OK, on dit que ça a été ajouté. Là, évidemment, ça travaille fort. Il y a beaucoup de diapos là-dedans. On va laisser travailler un petit peu. Et ce qui est le fun, c'est qu'une fois que j'ai déposé mon diaporama, peut-être que c'est plus facile d'éditer dans PowerPoint, mais j'aimerais avoir des activités uniques à Nearpod. Donc, je vais pouvoir les intercaler. Donc, on voit ici là, mon diaporama. Et là, j'ai toutes mes diapos, là, toutes mes planches. Si j'ai des animations, par contre, elles n'ont pas suivi. S'il y a des transitions, elles n'ont pas suivi. Donc, c'est vraiment que des planches, un peu comme un PDF, là, des images de différentes planches. Si je m'en vais, par exemple, ici, dans cette planche, bien, je ne peux pas aller, vous voyez, là, cliquer dans le texte. Pour toute fin pratique, c'est une image, en fait, qui a fait. Donc, assurez-vous, là, je vous dirais là, que vos diaporamas sont propres, que vous avez déjà corrigé, par exemple, les fautes d'orthographe, que vous avez déjà, en fait, tout ce qu'il y a à faire dessus. Une fois que vous avez fini de faire l'édition de la diapositive, pour quitter, vous pouvez faire Save and Exit ou Cancel. Cancel va me ramener en arrière. Sans sauvegarder.
Donc voilà. Maintenant, si je veux ajouter, par exemple, une diapositive d'activité, par exemple, j'aimerais faire un brainstorm après ma diapo ici. Je peux faire Add. Je vais choisir, par exemple, une activité de collaboration. On me demande de choisir le look. Moi, j'aime bien le tableau à la craie. Je vais choisir mon type. Donc, la distance. Qu'est-ce que c'est? Puis je peux même mettre une description que j'utilise souvent pour mettre la question auquel j'aimerais que les élèves répondent. Donc ici, en un mot, la distance pour vous, c'est quoi? Le français n'est pas parfait ici, qui dira plutôt du qu'est-ce que c'est, peu importe. Et je sauvegarde. Et là, mais où est mon collaborate? Il l'a mis en bas. Donc, je vais aller la déplacer avec ma souris. Je me déplace. Si j'ai besoin, je peux la lâcher un petit peu. Et voilà, elle est maintenant à la position 4. C'est là que je la voulais. Donc, je peux ajouter un ensemble de contenus comme ça. Une fois que je suis à l'aise, je suis content. Je sauvegarde ma leçon. Par exemple, ici, impact de la distance sur l'apprenant en formation à distance. J'appuie sur Entrée et c'est sauvé et le nom est sauvegardé ici. Je suis à l'aise avec tout ça. Je fais Save and Exit juste ici en bas. Et oui, nous avons réussi notre première leçon. Donc, elle est présentement ici. Maintenant, lorsque je vais vouloir présenter à mes étudiants, j'ai trois options possibles. La première, qui est en bêta, c'est Live Participation avec Zoom. Donc, c'est une participation live intégrée à Zoom. Je ne l'ai personnellement pas explorée. J'utilise plutôt l'option Live Participation classique. Et ce que ça fait, c'est que chacun des élèves sur leur écran, sur leur navigateur, voit les diapositives. Alors, c'est ce que j'aime bien. Maintenant, si c'est de l'auto-apprentissage, je pourrais utiliser Student Paste. Donc, Student Paste, c'est vraiment quelque chose que je pourrais envoyer en classe inversée, l'envoyer à mes étudiants d'avance et qui regardent le diaporama. Évidemment, il faudrait que ce soit un diaporama avec un peu plus de texte que les bonnes pratiques le recommandent là, quand je présente. Donc, que ce soit un diaporama fait pour l'auto-apprentissage, qui est très différent d'un diaporama où moi je présente. Donc, c'est des règles différentes d'usage. Donc, dans mon cas ici, je vais y aller avec Live Participation. Notez que j'aurais pu aussi faire Preview et modifier mon diaporama. Une fois que j'ai Live Participation qui est lancé, j'ai plusieurs façons d'acheminer à mes élèves le code pour se connecter. Tout d'abord, si je suis sur une plateforme Zoom, par exemple, ou Teams, je peux prendre un lien, Copy Link. Et là, je m'en vais quelque part dans une autre fenêtre de navigation. Ça ne sera pas long. Et là, on peut imaginer que notre étudiant qui récupère ce lien que j'ai publié peut-être dans le chat, il copie le lien ici, il tape et il va se connecter directement. L'étudiant n'a pas besoin de se connecter avec un compte. Il fait simplement marquer son nom. Ici, je vais l'appeler Mozart, qui est mon utilisateur test. Je fais joindre la session et voilà, Mozart voit la première diapo. Il voit que c'est ça et il ne peut rien faire parce que ce n'est pas dirigé par l'étudiant, c'est dirigé par le prof. Ce qui fait en sorte que lorsque l'enseignant va faire défiler les diapos, lui va faire la même chose. Je passe rapidement à les autres options. Remind, Microsoft Teams, on pourrait avoir des codes. Et sinon, on peut donner le code verbalement ou au tableau ou si vous êtes par exemple avec des appareils mobiles comme on dit dans le champ. Donc, vous êtes en train de faire une présentation Nearpod, vous êtes sur un chantier, vous êtes dans une serre en horticulture, mais vous êtes dans un endroit qui n'est pas une classe, puis tout le monde utilise une tablette ou un appareil numérique portable pour se connecter. À ce moment-là, c'est ce code-là ici qu'on va donner. Et là, à la place d'aller dans ça, on va aller ici Nearpod. Comme si l'étudiant était allé là, manuellement. Il pourrait, sur une application portable, il aurait pu utiliser l'application là. Et on voit ici, là, l'étudiant n'a qu'à rentrer son code dans cette case-là.
Et on voit que c'est la même présentation là, c'est le même contenu là, qui apparaît. Donc une fois que tous mes étudiants sont connectés, comment je le sais en fait, si vous regardez en bas, vous avez ici le nombre d'étudiants qui sont actuellement connectés. Vous avez aussi le navigateur en bas qui vous permet de passer d'une diapo à l'autre rapidement, donc un sélecteur de diapositives si vous voulez vous déplacer vite. Et par défaut, vous avez ici l'option Hide Student Names. C'est lorsque vous allez avoir des quiz, le nom des étudiants n'apparaîtra pas. Donc le nom, évidemment, c'est le nom qu'ils nous ont donné, non pas leur nom de login. Donc c'est vraiment un nom là, qui aurait pu mettre un pseudonyme s'ils le souhaitaient. Alors pour vous montrer, pour se passer d'une diapo à l'autre, je clique sur les flèches ici. Et vous remarquez que pour mon élève à droite, ici c'est mon élève, bien, ça suit. Et là, quand il arrive à ici, il attend. Ici, ça me dit pour le collaborer, est-ce que je veux modérer, donc surveiller ce que mes élèves écrivent. Moi, c'est des adultes, je vais dire non. Et là, ben, pour mon élève, dans cette activité, il tape par exemple qu'est-ce que c'est la distance, c'est loin. Et ça apparaît ici, et moi je le vois comme enseignant. Évidemment, comme enseignant, moi j'ai l'option de supprimer le message si je le juge inapproprié. Et là, ben, ça va simplement dire que la carte a été supprimée. Et s'il y aurait d'autres élèves, ça s'ajouterait là, ici et là. Si on regarde maintenant dans le menu, il n'y a pas d'option pour l'élève, mais pour le prof, on a une option intéressante que si le babillard d'infos ici est intéressant, je peux faire Share. Et là, je peux partager par exemple un lien à tous mes étudiants. Et là, ben, ce lien-là, ben, il va survivre longtemps. Et là, mes étudiants voient le collaborer qu'ils ont fait. Donc, ce sont que quelques-unes des options que vous offre Nearpod. Je vous invite fortement à l'explorer de long en large, à vous amuser. C'est un très bel outil. Il gagne en fait à être utilisé un peu plus. C'est vraiment parmi mes préférés. Alors voilà. Alors sur ce, bonne fin de journée. À bientôt!